rire. Waouh. Bonjour à tous. Ça fait bizarre. C'est la première fois que je parle en français sur scène. Parce que ça m'arrive pas d'avoir un public complètement français. Et très enchantée de passer du temps avec vous. Moi aussi. Ok, merci. Alors je vais chanter la première chanson. C'est ma première. C'est la seule que j'ai écrite en français avec une amie française. Elle s'appelle L'amour, les baguettes Paris. Donc c'est peut-être un peu cliché, mais c'est pas uniquement sur L'amour, les baguettes Paris. Il y a quand même des passages qui sont moins clichés, j'ai envie de dire. Parce que la chanson, c'est sur comment la ville de Paris n'est pas seulement l'amour et les baguettes pour moi. Voilà. C'est drôle, je ne sais pourquoi, ça me fait toujours penser à toi. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Toujours au même endroit, comme si c'était hier, je te vois. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Eux voient les lumières, les paillettes, la tour Eiffel, la Seine, les fêtes. Mais moi, quand j'arrive sur cette rue, je pense à toi qui ne réponds plus. Même si je ne te revois pas, tu seras toujours une partie de moi. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Les fous rires sur ces marches résonnent dans ma mémoire. Je les emporte. Vois les lumières, les paillettes, la tour Eiffel, la Seine, les fêtes. Mais moi, quand j'arrive sur cette rue, je pense à toi qui ne réponds plus. Pour moi, ce n'est pas juste une ville, c'est l'histoire de nos passions juvéniles. C'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Merci. Donc, comme c'est un public qui comprend ces paroles, c'est assez marrant parce que normalement quand je chante cette chanson dans des festivals en Corée, les gens ils aiment bien même s'ils comprennent pas. Et là vous comprenez, donc vous n'aurez pas vraiment besoin d'explication que c'est sur une amie avec qui j'ai perdu contact il y a peut-être 10 ans. Et donc voilà. Mais j'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle vit sa vie sans problème. Et voilà, on était très proches. Et donc c'était ça, la première chanson, L'amour, les baguettes, Paris. Et est-ce que vous me connaissiez avant ça? Waouh, impressionnant. Comme vous ici, j'étais étrangère là-bas.
Et je ne sais pas pour quelle raison vous êtes à Séoul, vous viviez en Corée, et enfin, quelle motivation vous ont poussé à venir dans un pays aussi loin. Mais ça doit être un peu pareil comme moi, que moi, parce que moi j'étais bien partie en France et j'y ai vécu 12 ans de ma vie. Et d'ailleurs, demain je pars en France. Donc c'est mon dernier schedule. C'est ma dernière occasion de chanter avant de partir en France pendant 3 semaines. Donc tout ça pour vous dire que moi qui étais en France en tant qu'étrangère, je suis en train de vous rencontrer, les étrangers, les Français en Corée. Donc peut-être que la prochaine chanson vous fera penser à la France. Et c'est une chanson tellement connue, enfin, tout le monde la connaît, hein, c'est Les Feuilles Mortes. Donc vous connaissez. Hein. Oui. Et, moi j'aime beaucoup la version d'Yves Montand. Ce sera la coréenne du 21e siècle qui va chanter une classique française. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Aujourd'hui. Et hier, en préparant ça, en me disant, dans ma tête, je me dis, ah, mais ce serait quand même cool qu'on puisse chanter tous une chanson ensemble et tout.
Et tout le monde connaît les Champs-Élysées de Joe Dassin. Du coup, on pourrait peut-être faire juste le couplet, le premier couplet et le refrain. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. One more time. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. C'était sympa. Donc voilà, ça a été une très bonne expérience pour moi. Et ça me fait pratiquer mon français avant de partir en France. Comme ça, je ferai moins de fautes quand je serai là-bas. Voilà, et j'espère que vous allez tous passer un bon été en Corée. Il fait chaud, il fait humide, mais vous allez survivre. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Oui. 감사합니다. Merci beaucoup.